L'armée israélienne a bombardé Gaza bonheur aujourd'hui vendredi dans un côté palestinien qui a pris refuge. L'État hébreu a commencé tout évacuer une grosse ville israélienne qui sous frontière pays à partager avec Liban. Ça pour un pile spécialiste qui a un signe qui montrait invasion Gaza pas trop loin. Et c'est dans un moment gros conflit sanglant Israël-Hamas a continué. Depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, le président Joe Biden, qui souhaite visiter Israël, prend la parole pour lancer un appel direct par le peuple américain pour continuer à financer Israël et l'Ukraine qui sont dans la guerre. Hamas et Poutine représentent une menace différente, mais ils ont un bagage en commun. Ils ont tous les deux voulu anéantir complètement la démocratie dans la zone de la Kayo. Le président Biden rappelait dans l'attaque Hamas 7 octobre passé en Israël, c'est 1300 personnes qui massacrent parmi eux 32 citoyens américains. Le président renouvelé engagement li pour supporter Israël et l'Ukraine parce que les pavle pour Poutine et Hamas remporter Gaza, c'est pour payer pour ça. L'histoire apprend moins, les terroristes pas payé pour prix actes latéraux ils commettent, les dictateurs pas payé pour prix agression, ça provoque plus chaos, plus monde mourir, plus destruction. Le président Biden a tout profité annoncer la voyer devant le Congrès et une demande urgente pour financer besoin qui gagne rapport à la sécurité nationale, soutenir partenaires essentiels les États-Unis, parmi eux Israël et l'Ukraine. Congrès a toujours en difficulté avec la Chambre des députés qui peut arriver élu un nouveau président avec échec Jim Jordan dans un troisième vote. American leadership, leadership américain, c'est ça qui kembe l'unité dans le monde. Alliance américaine, c'est ça qui assure la sécurité des États-Unis. Vanessa a fait une tournée, il y a un partner en pile monde, en pile pays dans le monde, qui veut travailler avec elle. Nous pas qu'à mettre tout ça en péril pour nous abandonner l'Ukraine et Israël. Leader américain qui saute visiter Tel Aviv mercredi, qui saute passer là, lance un pinga pour dire conflit avec des blousailles, ça est capable de gagner tout partout dans le monde. Israël, bon côté, parle à Paris, une offensive terrestre dans Gaza. Et ministre de la Défense, là, Yoav Galant, mandé pour soldats, Paris. Organisez-nous. Rete Paris, l'autre la ville. Merci beaucoup. Nous faisons confiance. Bonne chance. Nawe. N'importe qui qui te voit Gaza de loin, pral gen pou yo wèl en dedans. Moi promet nous ça, c'est une promesse. Dans même discours hier soir, président Biden dit li mande Israël pour respecter loi la guerre et pour pas coûter rage li pour attaque Hamas là. Attaque l'armée Israël là qui continue encore aujourd'hui vendredi a prend la vie plus passé 3000 moun et gen sous dans Gaza qui parlait de 4000. Et il y a plus de 1 million de personnes qui sont déplacées, puis il faut que c'est arabe palestinien. Et toujours il y a gros difficultés pour l'assistance humanitaire arrivée dans Gaza en passant par l'Égypte, malgré en tant que président Joe Biden dit qu'il joint avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pendant la visite dans Tel Aviv. Et dans la région Moyen-Orient, il y a un pile arabe qui a manifesté pour condamner sa état hébreu à faire sous population dans Gaza. Jacques Lembélizère, VOA Creole.